est bientôt 7h. Je suis juste sous la pointe de Colerain, vers 3400 mètres. Le temps est agréable, un petit peu de vent de Lombarde, mais c'est pas méchant. Et alors là, vraiment, il y a un lever de soleil absolument fabuleux là. Je suis sans voix devant ce spectacle. Et voilà l'Albaron, le sommet du jour. Et je vais normalement l'atteindre par cette crête qui commence à s'illuminer là. Crête qui devrait être assez facile, sauf le passage de la pointe de Colerain, qui paraît-il comporte une dalle déversée qui est pas très sympa. On verra bien. Donc la pointe de Colerain qui est juste ici là. Voilà, je suis dessous. Voilà, alors il est 7h30 et je suis bientôt au pied de la dernière difficulté, l'arête sud du sommet de l'Albaron. Oh bon, a priori, ça devrait très bien se passer. Le passage sur les passages des dalles à la pointe de Colerain, ben, ma foi, c'est assez délicat, mais on prend son temps et ça se passe bien. C'est plus fatigant pour les bras que pour les pieds parce que on est à moitié en Italie et à moitié en France et les bras jouent un grand rôle dans cet exercice d'équilibriste. Bon, ça s'est bien passé et il n'y a pas de problème pour le retour. Parce que c'est un sommet que j'attends depuis longtemps et que je regarde depuis très très longtemps d'en bas ou de très loin, et c'est très très étonnant d'être là. C'est très étonnant aussi parce que il est resté inaccessible jusqu'à très récemment, parce que la voie que j'ai prise était en partie glaciaire et maintenant on peut monter en pas vraiment appeler ça de la rando, mais on peut monter à pied sec sans équipement quoi. C'est vraiment exceptionnel d'être là. Je peux pas y croire. C'est un paysage extraordinaire. Les conditions sont bonnes. J'ai aucun effet d'altitude et j'ai la forme.